Bénard de Farcha qui a hésité, c'est Visa Junior également qui a hésité en début de parcours, faute de Vegas Després. Vegas Després est au galop, Bénard de Farcha est à l'arrière-garde, Visa de Blary, le numéro 14, est parti sur un long temps de galop et perd toute chance également. En revanche, eh bien, ça s'est bien passé pour Volare de Loup, le numéro 2, qui va s'installer parmi les premiers avec Vitalo Bello, avec également le numéro 11, Volcan de Belland, et puis à l'extérieur le 6, Verti Deliard qui s'est bien élancé. On a le long de la corde Viking Kiss, le favori, qui est idéalement placé devant Vento, avec un petit peu plus loin Vivaldi d'Amboise. Et à l'extérieur, Visa Junior, qui était parti sur un temps de galop, qui est rapproché par Eric Raffin, lequel va peut-être décider d'avancer devant les tribunes et dans la descente. À l'arrière du petit peloton, on retrouve Visa de Villeneuve, le numéro 12. Et puis, beaucoup plus loin, Vincit Mironda, qui ferme la marche. On a disqualifié les numéros 4 Vegas Després et 14 Visa de Blary. Bénard de Farchal, le numéro 3, est un petit peu décroché du peloton, mais n'est pas disqualifié. Les concurrents abordent la descente et on voit le numéro 9, Visa Junior, qui va venir mettre la pression sur Verdi Deliard, qui a l'avantage. On retrouve toujours le long de la corde Volcan de Belland, le numéro 11, qui passe 3e maintenant. Volare de Loup, qui est un petit peu repris par Christophe Martens. Il temporise. Viking Kiss a réussi à se sortir de la corde. David Thomas, qui ne veut pas se faire piéger, il devance pour l'instant Vitalo Bello, avec également Vétiver Duquesne, qui est le long de la corde. Vivaldi d'Amboise, qui vient plutôt dans la seconde moitié du peloton, juste devant Valentino Dream, le numéro 5. Et également le numéro 12, Visa de Villeneuve, qui est à l'arrière avec Vinci Le Miranda. Les concurrents sont dans la plaine, un peu moins de 1500 mètres à parcourir maintenant pour le numéro 9, Visa de Juigné, qui semble faire un petit peu de train devant le numéro 6. Il s'agit de Verdi Deliard, Volcan de Belland qui vient en troisième position, à la corde Patient de Vento devant Vétiver Duquesne, alors que pour l'instant Christophe Martens a un petit peu repris le numéro 2, Volare de Loup, ce qui fait que le wagon de la deuxième épaisseur eh bien, ne progresse pas, ce qui n'arrange pas forcément les affaires de Viking Kiss, le numéro 13 qui se retrouve un petit peu à l'arrière-garde désormais. Le numéro 9, Visa Junior, qui aborde la montée et le dernier kilomètre, tête et corde. Dans son sillage, le numéro 6, Verdi Deliard, qui est en deuxième position. Le 11, Volcan de Belland, qui vient ensuite devant Vento, qui est là, à la corde. On est toujours bien placé avec Vétiver Duquesne. Vitalo Bello, qui se fait ramener, est plutôt pas mal lui aussi, devant le numéro 2, Volare de Loup. Puis à l'extérieur, Visa de Villeneuve, qui tente de revenir, ramenant dans son sillage Vinci de Miranda. Alors, Viking Kiss s'est un peu enfermé. David Thomas ne sait pas s'il doit garder la corde ou passer plutôt en deuxième épaisseur. Il a beaucoup rétrogradé. Au relais, les concurrents qui sont à l'intersection des pistes, toujours sous la conduite de Visa de Juigné, qui a le meilleur. Volcan de Belland qui vient maintenant lui mettre un petit peu la pression à l'extérieur. Verdi Deliard qui est en troisième position à la corde devant Vento. Vitalo Bello qui est cinquième, accompagné par Vétiver Duquesne. Volare de Loup qui va tenter de revenir lui aussi, alors qu'à la corde on a une faute du numéro 3, Bénard de Farcha, qui tentait de revenir. Verdi Deliard s'est montré fautif à son tour dans le tournant final. Visa de Juigné qui tente de contrer Volcan de Belland, qui lui met la pression. Vitalo Bello qui se lance à leur poursuite. Vento qui n'a pas trop de passage avec Vétiver Duquesne qui est à la corde. Et Volare de Loup, le numéro 2, qui est lancé par Christophe Martens, alors que Viking Kiss à son tour va être lancé par David Thomas pour essayer de refaire du terrain. Dans la ligne droite, Volcan Belland, le numéro 11, qui a pris le meilleur sur Visa Junior. Et puis à l'extérieur, Volare de Loup qui sprint maintenant. Volare de Loup, numéro 2, qui prend la mesure du numéro 11, Volcan Belland. Viking Kiss termine bien également le numéro 13 devant Visa Junior. Le numéro 2, Volare de Loup, déféré des 4 aujourd'hui, qui va s'imposer. La deuxième place pour le numéro 11, Volcan Belland. Le favori, Viking Kiss, est 3e. Et la 4e place est plus disputée. Peut-être Vitalo Bello ou Visa Junior. Ouais, peut-être Visa Junior, j'ai l'impression. Mais bon, ça va être intéressant à revoir, ça c'est sûr. Mais très belle victoire de ce Volare de Loup, hein, déféré des 4 pour la première fois, ça s'est très bien passé. On a vu que Christophe Martens prenait son temps dans le parcours et il a attaqué dans le dernier tournant. Il n'a pas rangé à ce moment-là, c'est sûr, Viking Kiss, hein, oui, parce qu'il s'est retrouvé loin alors qu'il avait pris un très bon départ en étant derrière le cheval de Sébastien Hardy, justement, qui est deuxième, Volcan de Belland. Mais il s'est retrouvé loin, donc lui ça ne l'a pas rangé, mais par contre pour Volare de Loup ça a été un avantage. On va afficher une photo 8-19 quand même pour, oui, voilà, pour la quatrième place, parce qu'il y a 3 chevaux sur la même ligne et c'est serré. Volare de Loup est vraiment venu en une fois sur les premiers, ouais, quand il a été décalé, voilà, il a fait la différence très vite. Hein. Et il l'a fait brillamment jusqu'au bout. Hein. On voit que c'est un cheval relativement imposant, important, un cheval qui a du modèle, qui est trop en précoce. Voilà. Mais même dans sa façon de trotter, on voit qu'il est encore gros nounours un petit peu, alors que c'est quand même un 5 ans. Mais certainement perfectible et il le fait très très bien. Vous voyez derrière le pensionnaire du Berlardi, Viking Kiss, qui vient avec un petit coup de bidon en dedans prendre une belle troisième place, mais à distance quand même de Visa de Belland, qui fait un bon parcours aussi après être bien parti en prenant tête et corps. Déçu peut-être un peu avec Visa de Junior, qui a fait du train, qui a intermolé un petit peu pour finir. Et le succès de la casaque de Romain Tambourini ici, qui s'illustre donc avec... 5 Estani, cette pouliche.
tient bien aussi à ouvrir son palmarès